Je m'appelle Benoît, je travaille chez Skilling depuis 6 ans maintenant. J'ai rejoint le cabinet après la sortie de mon école de commerce, d'abord en tant que consultant pendant 2 ans, puis comme manager depuis 4 ans. Au même titre que les consultants, mon travail va consister en la gestion de missions de recrutement de bout en bout, pour des profils variés, exclusivement dans l'univers de la tech et de l'innovation. Je vais avoir une casquette également donc, de manager d'une équipe internationale, que je guide et que je coach au quotidien pour m'assurer de la bonne réussite de leur mission. Et je vais avoir également une dimension commerciale et de gestion de compte. Ce dont je suis le plus fier en travaillant chez Skilllink, c'est l'impact que je peux avoir, à la fois en interne, au sein du cabinet. Quand je suis arrivé, on était un petit cabinet, on était 4 personnes. Aujourd'hui, on est une vingtaine avec une localisation, un bureau au Portugal, à Lisbonne, et puis de nouvelles offres qui se créent et qui vont continuer à se créer dans le futur. Et également l'impact que je peux avoir auprès de mes clients. J'ai eu la chance de participer à des recrutements hyper stratégiques, structurants pour diverses entreprises. Je pense notamment à des startups que j'ai pu accompagner, des jeunes startups que j'ai pu accompagner dans le recrutement d'associés, CTO, CPO. Ces recrutements étaient essentiels dans le cadre de leur levée de fonds et donc essentiels à leur survie parfois. Et donc voilà, on a vraiment un sentiment de reconnaissance quand on réussit ce type de challenge. Les qualités que j'apprécie chez les membres de mon équipe, ça va être d'abord la bienveillance. Voilà, on est une équipe soudée, chacun tire dans le même sens, et c'est agréable de travailler dans ce type d'environnement au quotidien. Également, ce qui va nous lier, c'est le côté entreprenant qu'on peut avoir, et positif également. C'est des qualités qui sont valorisées aussi par nos clients, notamment par les entrepreneurs qu'on peut accompagner.